On va passer un peu de temps ensemble afin d'analyser vos points forts pour mieux valoriser votre carrière. Konaté, Bernizzi qui appelle la balle à l'opposé. Konaté le drive face à Axel Bouteille. C'est très joli ce qu'il a fait là où Konaté. Quel début de match! Konaté. Bernizzi, l'arbalète. Et bien elle est là l'arbalète! Et ça fait 8-0! Avec cette qualité physique. Oh, et il a la roulée. Oh là oui, et ses bonnes mains. Et là il est en retard. Ah, il est en retard, mais. Gumball, c'est cadeau. Il y a un minimum de rotation à avoir. Damien Inglis qui s'est enfui. Plus 20 au bout de 24 points. Minutes de jeu. 12 points inscrits seulement par Limoges. Bouteille, deuxième fois. Ça y est, ça transperce le filet. Hugo Ivanidzi, il y avait encore un petit peu de temps sur l'horloge des 24. Hardy qui laisse filer son vis-à-vis, qui prend le shoot derrière. Remarquable. Il a effacé Adas Juskevičius d'une petite fin. Limoges est dans la pénalité. Nanterre n'a pas fait la moindre faute, dites-moi. Et Jérémy Sengelin, aérien. Bon, l'intérieur n'existe pas. Que part du tir à 3 points et de la réussite extérieure. Et ça aussi, c'est joli, c'est Demetrius Treadwell pour arriver quasiment à 50 points. S'il marque, Sengelin. Ah, la passe est trop basse pour Gumball, mais il peut dunker à une seconde de la mi-temps. Gumball qui arrive. C'est possible qu'un joueur de Nanterre cafouille et qu'il n'y ait personne autour de lui qui puisse reprendre le ballon. Sengelin. À 3 points au buzzer en fin de possession de Jérémy Sengelin. Main droite comme ça, le step back à droite, il est compliqué, il est compliqué. Et on a vu Pascal Donadieu même pas serrer le point, il demandait tout de suite à ses joueurs d'aller mettre une pression, il a envie de leur mettre 30. Tout le monde dans la salle connaît son potentiel. Juskevičius, Ivernizzi, hop là, la petite feinte, il prend le shoot derrière. Oh là 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 là. Quel match d'Hugo Ivernizzi. Et lui, il ne faut pas lui en promettre. Hein. Hugo Ivernizzi qui aura quand même mis, vous savez quoi, 10 points dans ce troisième. Qui perd la balle. Oh, la petite passe volée d'Anna Juskevičius pour le shoot à 3 points de Hugo Ivernizzi. Oh, c'est magique ça. Regardez cette jolie passe. C'est volée deux fois. D'abord par Léo Konaté, puis par Anna Juskevičius. Léo Konaté parce qu'il est en galère. Ouais. Juskevičius, lui, c'est voulu et surtout. Ward qui trouve Samardo Samuel, ce qui dunk. Il est pris, Jérémy Sengelin. Et balle perdue. Et récupérée. Oh, c'est incroyable, récupérée par Léo Konaté. C'est incroyable. Ils célèbrent comme s'ils avaient gagné le match. Ils ont perdu la balle, ils l'ont récupérée et ils ont marqué du milieu du terrain. Et Léo Konaté, quelle la lucidité de bien faire ses appuis pour envoyer un tir correct du milieu de terrain.